représente quoi par rapport aux autres? Celui qui a les côtes belles, là, c'est ton fils. De la Hird, il est le chef de la Hird. Ouais, mais ça c'est la maille. Ça c'est une merveille, moi j'adore. Ça s'appelle du sept. Voilà, madame Poutet, Poutet madame. Voilà, c'est un gâteau. Pendant que les hommes s'entretuent, vous faites à manger pour moins de monde? Non. Non, on leur prépare de quoi se réconforter ensuite. Ah d'accord. Voyons une soirée d'hiver. Eh regarde. Alors ça s'appelait comment? Ou ça s'appelle comment? Des galettes, tout simplement. Au feu de bois. Ce soir, c'est quoi? C'est une potée au chou. Potée au chou. Potée au chou. Et ensuite? Ensuite, c'est dessert au fromage blanc. Avec... Je sais plus. Et puis en entrée, on a des harengs. Ça donne des petites crêpes. Ah, surprise. Bon appétit. Les jeunes Vikings sont déjà aguerris et prêts à relever les défis. De la Hird, il est le chef de la Hird. Ici, c'est le futur chef.
rendant qu'un superbe descendant de viking aux yeux merveilleusement bleus se prépare à perpétuer la tradition, quelque part dans les caves humides du château, dans un coin d'obscurité. Le viking de service qui a réalisé ce film vous remercie de votre attention.